Romains 15, versets 5 à 6. Que le Dieu de persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. D'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. D'amour. Notre esprit. Notre esprit est uni. Avec l'Esprit de Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oh, d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. Oh, nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. D'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oh, nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. D'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oh, d'amour. Notre esprit est uni. Avec l'Esprit de Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. D'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Dieu, nous sommes dans un lien d'amour. Clap to Jesus. Pour le feu de l'amour qui répand sur Father, ma tête. Acclame Jésus, bien-aimé. Clap Jésus. Acclame Jésus. Clap to Jesus. Acclame Jésus. Clap to Jesus. Acclame Jésus. Clap to Jesus. Acclame le Seigneur Jésus. Clap to the Lord Jesus. Acclame le Seigneur Jésus. Clap to the Lord Jesus. Acclame le Seigneur. Clap to the Lord. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Bien aimé. Acclame. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Bien-aimés, nous avons remercié le Seigneur. Beloved, we are thankful nous to God. Nous l'avons remercié ce matin pour la flamme. God this morning de l'amour qu'il a répandu sur nous. Of love he sent on us. Gloire au Seigneur Jésus. Glory to Jesus. Avant d'avancer, je vous permets de vous asseoir. Before continue, pour I permit partager to avec vous cette courte exhortation que le Seigneur m'a inspirée. To send an exhortation that God inspired me.
Et si les chants ont entonné ce cantique aujourd'hui, and if the singer has started by this song this morning, c'est parce que le Seigneur me l'a inspiré. It is because God has inspired me. Et par la grâce de Dieu, and by the grace of God, répétez cela ce matin. They have just repeated this on Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Mais il est important que nous puissions comprendre profondément. But it is important ce lien d'amour. That the Lord avec son église. God is establishing with his church. Quand nous parlons de l'amour, when we are talking about love, l'amour, love, l'amour n'est pas un mot vain. Love is not a vain mot. L'amour n'est pas une déclaration. It is not a declaration. Simple que nous devons prononcer toujours. Simple declaration that we have only pronounced. L'amour a un sens spirituel but profond. The love has a deeply spiritual et la chanson meaning. Dit, and the thing say, nous sommes un dans un lien. D'amour. We are one in a link of love. Nous sommes un dans un lien d'amour. We are one in a link of love. Et la deuxième, c'est-à-dire la phrase qui suit dit. And the next phrase is. La phrase dit. Says. Notre esprit est uni. Our spirit is unique. Avec l'esprit de Dieu. With the God spirit. Nous ne sommes pas seulement un. We are not only one in a link of love. Mais en étant un, nous. Being one, nous sommes les membres du corps de Christ. We who are the corps of God. Notre esprit maintenant. Our spirit now. Qui est unique. Who is unique? Parce que nous avons tous chacun l'esprit. Because we have l'esprit, all over l'esprit que nous avons reçu du souffle du Seigneur. Our spirit we say from the venant à Jésus. Coming to God. L'esprit de Dieu nous invite. The spirit of God invites us. Le même esprit. To have the same spirit. Donc étant donné que so, nous avons le même esprit, because we have the same spirit, et que nous avons, and nous we have, sommes unis dans le même lien and d'amour, we are unique in the same link nous of love. Maintenant fait quoi? We should do. Nous devons être unis avec l'esprit de Dieu. We should be united by the spirit of God. Nous sommes un dans ce même lien d'amour. We are one in the link, same link of nous love. Nous sommes un dans ce même lien d'amour. We are one in the same notre link esprit of love. Est uni. Our l'esprit is unified de Dieu. With the God spirit. Notre esprit, nos esprits qui our spirit séparés, distincts, who are separate à cause de notre vie passée. Because of our Jésus, old life. Transformé par Jésus. Coming to Jesus, transformed by Jesus. Nous sommes maintenant un seul corps. We become the same body. Et nos diverses pensées ne sont plus distinctes. And our different nous thinking avons is not different. Un seul esprit à we nous. Have only now the same spirit. Qui n'est pas d'abord l'esprit de Dieu. Who is not the spirit of God. L'esprit. But who is the spirit d'équipe. Of team. L'esprit de l'unité. Spirit of maintenant, team. Maintenant, en plus de cela, according to que that, nous sommes unis. En ayant un seul esprit d'unité, when you are unified, having the same nous nous spirit, attachons à Jésus Christ, we are linked to Jesus, qui est le Dieu d'amour, who is the Lord of love, en étant unis avec le Saint-Esprit de Dieu, be unified by the Holy Spirit donc, of God, devient un mariage spirituel, become a spiritual marriage, une union spirituelle, a spiritual par union, l'esprit de l'épouse, l'esprit de l'Église, the spirit of church, l'union de tous les membres du corps de Christ. Union of all the corps il s'attache maintenant à Jésus Christ. Is reliable now to et Jesus. Nous sommes un seul corps. And we have one un corps. Seul esprit. One gloire spirit. À Jésus. Glory to Jesus. Lisons 1 Corinthiens 6. Let's read 1 Corinthiens 6. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. 1 Corinthiens 6. Le verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, le verset 17. Je lis au nom de Jésus. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache au Seigneur but he does join into the Lord est in one avec spirit, lui un seul esprit. Became one spirit. Celui qui s'attache individuellement the au one Seigneur. Who join individually to the Lord, celui qui s'attache à the, Dieu. The one who join individually to est God. Avec Dieu un seul esprit. Is with the God the same spirit. Maintenant, now, celui qui s'attache avec ses frères. Who is linked by his, avec ses frères. Joined by his brothers. A un seul esprit. Has the avec same spirit with his brothers. Maintenant, now, il s'attache à Dieu. He is linking to God. Cette union s'attache à Dieu. This union cela forme l'église and become a church. Cela forme le corps de Christ. Become the corps of cela Christ. Forme un seul esprit. Become one spirit avec Dieu. With God.
Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Donc, nous devons comprendre le sens profond de ces phrases. We have need to understand the deeply. Nous sommes un dans ce seul lien d'amour. We are one in the link of love. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Our spirit is unified with the spirit of God. Nous devons comprendre clairement que and we understand chaque now croyant that qui s'attache au Seigneur who link himself to God. Le Seigneur un seul become esprit. The God, the same spirit. Maintenant, nous devons comprendre now, les antécédents et les priorités de Dieu en ce qui concerne l'amour. The previews and the priorities of God according to love. Lisons Jean 3, 16. Let's read in the book of John 3, verse 16. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Jean 3, Jean 3 le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. For God has so loved the world. Qu'il a donné son Fils unique. That he gave his only begotten ce n'est son. Pas le monde, c'est-à-dire ce n'est pas le péché. Here it is not the sin. La nature du péché. The nature of the sin. C'est-à-dire it is mean, le monde dont on parle ici. What we are talking about. Dieu aime sa créature. God loves his creature. Qu'il a fait à son image. That he formed il like ne veut pas que resemblance. Cette créature he don't want aille à la perdition. That this creator go to the perdition. C'est pourquoi envoyer la chute de cette créature. Sin is falling. À cause du péché. Because of son sin. Son amour. His love. Continue de se manifester. His initial love continue to manifest. Envers cette créature. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Say God has so loved the a donné son Fils unique. That he give his lorsque nous parlons d'amour, when we are talking nous about voyons it, le don. We are seeing the gift. On ne peut aimer sans. C'est-à-dire, le don est lié à l'amour. We can't love without gift. Celui the qui gift aime, was linking according to the love. Donne lui-même. The one who gives himself. Donc Dieu ayant aimé le monde, God loving the world, a donné son Fils unique. Give his only begotten son. Afin que quiconque croit en lui. And no one who trusts on him. Ne périsse point. Will not perish. Mais qu'il ait la vie éternelle. And have the eternal life. Voilà le fondement de l'amour. This is the foundation et of love. Et cet amour vient de la part de Dieu. And this love comes from manifesté the of God. Par le Fils. Manifest by the Son. Il a choisi lui-même. That he has chosen qu'il himself. Il a donné lui-même. He gave himself. Et qu'il a choisi héritier. And what he chose to reap. De toutes choses. For everything. Et nous comprenons par là que. We understand by this. L'amour de Dieu qui était manifesté. The love of God who was manifested. Avait pour but de nous sauver du péché. Has a target to save us from si sin. Si seulement nous croyons en Jésus Christ. If only we trust in Jesus Christ. Pour avoir la vie éternelle. To have the eternal life. Maintenant. Lisons 1 Jean 4 le verset 9 à 12. Let's read 1 John 4. 1 Jean 4 le verset 9 à 12. Verse 9 to till 12. 1 Jean 4 le verset 9 à 12. 1 Jean 4, le verset 9 à 12. Je lis la parole de l'Éternel. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. This is how God shows his love among us. He sent his one and only Son into the world afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avions aimé Dieu. This is love, not that we love God, but that He loves us. Mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils. And sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimé. Dear friend. Si Dieu nous a ainsi aimés. Since God so loves us. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. We also ought to love one another. Personne n'a jamais vu Dieu. No one has ever seen God. Si nous nous aimons les uns les autres, but if we love one another, Dieu demeure en nous. God lives in us. Et son amour est parfait en nous. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Ce passage a d'abord présenté. This part has presented. L'amour qui vient de Dieu. The love coming from God. L'amour que Dieu manifeste. The love that God manifests. Le don de Dieu aux hommes. The gift of God to the woman. Qui est le Fils unique. Who is His only begotten Son. Par qui? By whom? Ceux qui croient en lui. Those who trust on him. Reçoivent la vie. Receive the life. En lui. The everlasting life on them. Et cet amour. This love. Consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. It's not that we don't love God. Ce n'est pas nous d'abord qui avons aimé Dieu. It is not first mais who love God. Mais c'est lui qui nous a aimé premièrement. But it is him who loves us firstly. Et a envoyé son Fils. And sent his Son.
Et nous aussi, and we also, sachant que Dieu nous a aimés, knowing that God loves us, nous devons nous aimer les uns les autres. We need to love us each other. Et c'est par cet amour que nous devons manifester les uns envers les autres. We have to manifest que it nous each formons other. Un esprit unique. We form an unique spirit. Un esprit d'amour. A spirit of love. Une même pensée. The same thinking. Une même âme. The same soul. Et c'est maintenant que and donc, now, si nous nous unissons et nous nous aimons les uns les when autres, you unify yourself and love ourselves, amour envers Dieu sera parfait. Our love to the Lord alors, will be perfect. Nous sommes en train d'accomplir. So we accomplish. Nous sommes en train d'admettre la perfection de Dieu. We are according en ce qui consiste the perfection of God, l'amour qu'il a manifesté premièrement the love he manifested pour nous. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. C'est pourquoi nous devons savoir. It is why we should know. Que l'amour que Dieu a manifesté envers nous. That the Lord God has implique manifest pour us, nous notre amour que nous devons manifester les uns envers les autres. Implicate the love we have to manifest each other. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. 1 Jean 3 le verset 16. 1 John 3 verse 16. 1 Jean 3 le verset 16. 1 John 3 verse 16. 1 Jean 3 le verset 16. Nous avons connu l'amour. This is how we know what love is. En ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Jesus Christ laid down his life for us. Nous aussi. And we are. Nous devons donner notre vie pour les frères. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce passage est vraiment très clair. This passage is so clear. Il dit, he say, nous avons connu l'amour. We've perceived the love. Qui est l'amour selon ce verset? Who is the love according to nous that verse? Nous avons connu l'amour. We have known the love. Oh. La Bible dit quand nous lisons the Bible Jean, say when we are reading Jean 17, John 17, verse 3, lorsque Jésus priait, when Jesus is praying, quoi? He say what? Il dit la vie éternelle. The everlasting life. C'est qu'ils te connaissent toi seul le vrai Dieu. Is that they know you? You are the only celui God. Celui que tu as envoyé. And the one you send. La vie éternelle. The everlasting life. C'est qu'ils te connaissent. Is that they know? Toi le seul vrai Dieu. You are the only God. Et celui que tu as envoyé. And the one you send. Sachant que la vie éternelle. Knowing. A été accordée. The eternal life has been accorded. Par l'amour de Dieu. To us by the love of God. Afin que nous soyons sauvés. So we be saved. Donc si le verset dit que la vie éternelle était, if the verse say, est celui que tu as, est de Dieu, est celui qu'il a envoyé. The eternal life is from the God. Que la vie éternelle, sent, c'est Jésus Christ. He's showing that the eternal life Jésus is Jesus Christ. Est celui qui manifeste. And Jesus Christ, the one who manifests. L'amour de Dieu qui nous accorde la vie éternelle. That is according to c'est never lasting life. Nous connaissons l'amour. This is why the verse say we know the love. Nous connaissons Jésus Christ. We know Jesus Christ. Qui est l'amour. Who is the perfect l'amour Lord? Sans tache. Love without l'amour pain. Sans défaut. Without qui s'est manifesté pour who manifest donc to nous. Donc nous comprenons le sens profond de cet amour. We should know the deep meaning of this love. Le verset ne dit pas seulement que l'amour. And verse que nous connaissons déjà l'amour. Love, that we know the love. Nous avons connu l'amour. We have known mais that love. La condition par the condition nous connaissons l'amour. By which we know the love. Nous arrivons à identifier l'amour. Is that we have to identify the love? Parce qu'il a donné sa vie pour nous. It is because he gives his life to us. Clap to Jesus. Ce matin, bien aimé. L'amour a donné sa vie pour nous. Love has given Jesus his life Christ to us. A donné sa vie pour nous. Jesus Christ has given his life to us. C'est pendant que nous connaissons l'amour. It is by this si we know the love. L'amour ne posait pas des actes. If the love didn't make si l'amour ne faisait pas des œuvres. If love, it didn't make an art. Personne n'allait identifier l'amour. Nobody can identify personne n'allait ne peut remarquer l'amour. Nobody can remark mais l'amour him. S'est identifié lui-même. But the love has identified himself. Se donnant lui-même. Giving himself. Pour nous. To us. Pour que nous puissions reconnaître sa, son œuvre dans notre. So we can recognize his work in our life. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. C'est pourquoi nous voyons clairement qu'il dit. It's why we see nous clearly. Nous devons donner aussi. Not we have to give also our life to the brothers. Nous pouvons aussi donner, nous devons aussi donner notre vie. We should give also our life les frères. To our brothers. Il y a certaines religions qui disent some religion says qu'on ne doit pas donner du sens et lorsque l'on fait des recyclage etc. Pour we don't need to give blood when we're making recycling. Ah, que c'est interdit de pas donner le sang. That it is forbidden to give de son blood. Sang pour to pour give la his vie own blood for the life of the others. Beaucoup de religions disent cela. Some religions say like that. Mais cela n'est pas une obligation pour but quiconque. It is not obligation de for donner no one. Son sang en cas de besoin. Who won't give his blood cela n'est pas une obligation. When the need is there. Mais it is not an obligation. Nous devons savoir we should know que nous avons le
c'est-à-dire nous avons le droit de that we have the right de donner notre vie to give our blood, our life to the en cas de danger. When they are in danger. Ce qui veut dire that means, en tant que chrétien when we tu are n'es Christian, pas obligé de le faire. You are not obliged et cela to ne do te it. Condamnera pas. Nobody mais will condemn quand you. Tu vois but when you are ton bien-aimé en train de périr your brother perishing, ton sang que tu peux donner the blood you can't give. Peut le, c'est-à-dire ce n'est pas qui, toi qui sauve. It is not you who parce save. Que c'est le sang de Jésus qui because a été because it is accordé, the blood qui a été of God versé pour nous. Give mais to us. Le Seigneur peut passer par ton entreprise God can use you dans le sens physique in the physical way et biologique and biological way medicinal way ton frère to help your brother who is perishing du problème du manque de sang because a problem of lack of blood et lorsque tu pourras le faire ainsi when you are doing it like this reviendra, c'est-à-dire qu'il aura la force d'être en vie when he has the strength tu pourras le gagner facilement Jésus will be, it is et tu le diras maintenant keep him for Jesus. Je connais Jésus Christ and you tell him il a son sang unique pour nous who has give his own blood to us a l'autorité de te purifier and this blood has authority est-ce que tu as perdu ton frère ou tu l'as gagné répondez-moi have you lost or est-ce you que tu as perdu ton frère have you lost your brother? Est-ce que tu as perdu ton frère? Have you lost your brother? Tu l'as gagné pour le ciel. You have won parce him to the tu as prouvé ton amour. Because you give the ce proof of your love. L'amour sans acte. That means the love sans without work. N'est pas l'amour parfait. It is not perfect mais love. Mais c'est un amour hypocrite. It is a hypocrisy love. Je ne vous dis pas de faire cela obligatoirement. I'm not telling you to mais do it obligatory. Avoir l'amour qui vous pousse but you should have love who sauver you la vie qui to périsse. Save the life who is perishing. Et si cette âme périt, and après, this, if this soul si tu perish, pouvais le faire, if you can't do, et si tu ne le fais pas, and you don't do, tu seras condamné. You will be condemned. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Comprenons encore ceci. Let understand this again. Nous venons de comprendre dans 1 Jean 3:16. We understand in John 1 John 3 verse 16. L'amour c'est Jésus. That the love is Jesus. Donc sachez que l'amour c'est Jésus. So know that the love is Jesus. Ça doit être dans notre pensée, dans it notre cœur. It will be in your thinking, your head. Jésus c'est l'amour. Jesus is the love. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Maintenant allons-y dans le livre de 1 Jean, dans le livre de 1 Jean 4, voilà. Let's read 1 John 4. Le verset 15 à 19. Verse 15 till 19. 1 Jean 4, le verset 15 à 19. Oui. Je lis au nom de Jésus. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui. Dieu demeure en lui. Et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Il dit encore ici, nous avons connu l'amour. We have known the love. Le salut, c'est la connaissance de la vérité. The salut is the knowing of la truth. Vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu. The eternal life, the knowling nous of connaissons the Jésus-Christ. And we will know Jesus Christ. Qui s'est donné lui-même pour nous. Himself to et us. C'est lui qui nous a sauvés. And it's him who saved us. La Bible dit dans le livre de Jean, Bible 8, saying in John 8, Jésus disait, 32, vous connaîtrez la vérité. You will know the truth. Et la vérité vous affranchira. And the truth will donc, free l'amour, you. C'est la connaissance. De la vérité. The love is a knowing la vie éternelle, c'est la connaissance de la vérité. Et l'amour, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu. Jesus is the gloire real à Jésus, God. Continue. Continue. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Voilà. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Gloire à Jésus, acclame Jésus. Clap to Jesus. Nous avons connu l'amour qui est Jésus. We have known the love who is Jesus. Oh, la vie éternelle c'est Jésus. And the eternal life et is Dieu, Jesus. C'est lui qui dispense l'amour pour nous accorder la vie éternelle. It is God who give the love who give to eternal life. C'est pourquoi nous reconnaissons que Jésus-Christ est Dieu. It is why we recognize that et Jesus Christ is si God. Si nous avons l'amour de Dieu, if you have the love of Jésus-Christ God, demeure en nous. Jesus is in et Dieu demeure en nous. And we are so on him. Maintenant, nous devons savoir quelque chose. We know not something now. La crainte n'est pas dans l'amour. The fear is not in the love. Mais l'amour parfait bannit la crainte. But the perfect love bannit. C'est-à-dire, l'on ne vient pas à Jésus à cause we are not coming to Jesus de la peur d'être châtié ou être condamné. Non,
to retirement. On ne veut pas Jésus. We are not coming to Jesus. Parce que nous avons peur d'être châtiés simplement. Because we have fear to be tormented. Oui, le rejet du châtiment de condamnation est évident pour notre c'est-à-dire notre volonté d'appartenir à Jésus. When we are rejected, it is true that we are rejecting the condemnation to the will to become to Jesus. Nous ne venons pas à Jésus seulement parce que we know that we are not coming only to Jesus because we have fear for the hell. Nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui. We saw some Christians today. Ils basculent de gauche à droite. We are going through parce que le véritable amour n'était pas manifesté envers lui. The véritable love is not manifested. La foi c'est l'amour. The faith is love. Sans l'amour la foi n'est pas parfaite. Without love you don't have perfect. Donc si Dieu manifeste la grâce pas l'amour. When God manifests pour nous love, sauver, et que like nous manifestons la foi pas notre amour envers lui. You manifest the faith to him. Nous devons être parfaits. You have to be perfect. L'amour de Dieu bannit la peur. Love of God banish. Bannit la crainte. The fear. Je ne parle pas de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu I'm not est talking un fondement about de l'amour. Fear of God. Fear la crainte of de God Dieu est un fondement de l'amour. Love. Voilà. Mais la crainte dont je parle, the fear about la crainte des choses périssables, it is the fear of perishable la crainte du châtiment à venir. The fear of nous torment. Sommes en Jésus et lorsque nous aimons Jesus, we are in Jesus and et when Jésus we love nous aime, Jesus, nous sommes rassurés. We have et nous avons l'assurance de notre salut. We have assurance of our salvation. C'est pourquoi quand nous lisons bien le livre de Romains 8, when we are reading Romans 8, verse 15, la Bible dit quoi? Bible say, dans Romains 8, verset 15, Bible say, la Bible dit, nous n'avons point reçu un esprit. We don't receive a spirit de crainte. Of fear. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, de peur. We don't receive pour vivre a spirit la of fear. Servitude. To become slave. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption. We receive an adoption c'est-à-dire un esprit spirit, de délivrance, de rédemption. A deliverance, qui nous permet d'appartenir à Jésus-Christ. Who permit us to la liberté. To God. Sans for the free. Être esclave. Be, du, not being du péché, slave of sin. Sans être esclave. Without being des hommes, slave of sans être esclave. Woman. Des doctrines d'hommes. Without being slave voici of doctrine. Parfait. This is the et perfect il dit law. La crainte suppose Bible un say, châtiment. The fear supports a et torment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. The one who fears is not perfect aimons in love. Dieu sans avoir peur. Let love de God quoi que ce soit. Without mais craignons Dieu en l'aimant de tout cœur. Have fear of God. N'ayons pas peur du diable. Not have fear mais of craignons Dieu. Devil. Alléluia. Fear of God. Verset 19. Verse 19. Non, je lis d'abord la dernière phrase. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. He that fear is not perfect in love. Pour nous l'aimons. We love him. Parce qu'il nous a aimé le premier. Because he first loved us. C'est le fondement de notre salut. Without that is the fondement of Jésus. Our salut. Glory to Jesus. Jean 13, 34. John 13:34. Jean 13, 34. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Jean 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Et je vous donne un commandement nouveau. I give you a new commandment. C'est le même Jésus qui disait dans Marc 7. It is the same Jesus vous abandonnez le commandement de Dieu. You are leaving the commandment of pour God. Vous attachez aux traditions des hommes. And coming close maintenant, to the tradition le même of the Jésus Lord. Vous révèle maintenant un nouveau commandement. And now oui. He gives us a new commandment. Oui. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Love each other. Comme je vous ai aimé. As I have loved you. Vous aussi. You. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Comme Jésus. Clap to Jesus. Je vous donne un nouveau commandement. I'm giving you a new commandment. Je vous donne un nouveau commandement. I'm giving you a new commandment. Nous allons comprendre ce nouveau commandement. Let's understand that new commandment. Nous allons comprendre les bases de ce nouveau commandement. Let's understand the foundation of ce nouveau commandement. Quand on what dit commandement, nous voyons loi. When we say commandment, et we saw law. Loi dans la nouvelle alliance. When we saw law in the et new alliance. Dans l'Église, nous savons que c'est la doctrine. In the church, we know that is the doctrine. Et le Seigneur Jésus dit. The Lord Jesus said. Il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. He's not come to abolish the law. Mais il est venu l'accomplir. The prophet, but he's coming et to accomplish même, it. La même Bible dit dans Romains 10:4. The same Bible say in Romans. Romains 10:4. 10 verse 4. Que Christ est la fin de la loi. That Christ pour is la the end of law. De tous ceux qui croient. For the justification of both who trust. Accorde une nouvelle loi. That means the Jesus Christ is coming with a new covenant.
Romains 12, la Bible dit quoi? In Romans la loi 2, de l'esprit de vie en Jésus nous a fait. Love, the spirit de la loi of God du péché in et de la mort. Have et comment cette loi de l'esprit de vie en Jésus nous a franchi du péché et de la mort? Ce n'est pas la manifestation de l'amour de Dieu. Gloire à Jésus. Ce n'est pas la manifestation de l'amour de Dieu. It is by the manifestation of God Dieu nous a libérés that du péché et de la mort. From the ce qui veut dire que death. L'amour de Dieu that mean the love est le nouveau God commandement. Is a new commandment. Et ce nouveau commandement and this new est commandment l'amour, is c'est la sainte doctrine de Jésus. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. La sainte doctrine est le nouveau commandement. The sound doctrine is a new commandment. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Now, nous allons entendre beaucoup dire ah, we are hearing ne some jugez say, pas afin que vous ne soyez jugés. Don't judge even if you be judged. Beaucoup s'appuient sur l'amour. Some as taking part of love. Être épargné de la justice de Dieu. And be close of beaucoup the justice of God. Sur l'amour. Some say on Dieu the basis of les love. Donc ne me just love each other. Ne me condamnez pas. Don't condemn me. Matthieu 7, 1 dit Matthew 7, verse 1 ne jugez point afin que vous ne soyez jugés. Don't judge even if you will be judged too. Qu'est-ce que cela signifie? What that mean? C'est-à-dire this si mean, nous disons que nous aimons et que nous sommes dans la vérité, when we say we love and we are in the truth, notre jugement est juste. Our judgment is mais si true, nous sommes hypocrites, but we are hypocrites, comme les pharisiens et les sadducéens à qui Jésus parlait, and Pharisees like Jesus notre jugement n'est pas un jugement juste. Our judgment is not a just judgment. Parce que dans notre jugement, nous ne nous appuyons pas sur l'amour de Dieu. We are not basing on the love of qui juste, qui juge plutôt. Véritablement. Judge veritably. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. C'est pourquoi nous qui avons reçu la flamme de l'amour. Why we who receive the flame of love. Qui est évidemment le fruit de l'esprit. Who is the spirit fruit? Aussi le feu du Saint-Esprit. Who is also the fire of Holy Spirit? Nous devons juger selon la justice. We have to judge according selon to the l'esprit justice, de Dieu. According to the spirit alors, of God. Alors de 1 Corinthiens 2. 1 Corinthians 2 book. Le verset 15. Verse 15. 1 Corinthiens 2 verset 15. 1 Corinthiens 2, le verset 15. Oui. Je lis au nom de Jésus. L'homme spirituel, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui a reçu, qui a expérimenté la manifestation de l'amour de Dieu. Receive the manifestation of love c'est of God. L'homme qui a reçu la semence du fruit de l'esprit. Of the fruit of spirit. Et cet homme a la capacité. And this man has the capacity. Selon le Saint-Esprit. According to the Holy Spirit. De juger parfaitement. To perfectly judge. De juger plutôt parfaitement. To judge perfectly. Avec un discernement. With discernment. Parce que la Bible dit que la nourriture solide. Because the Bible says the solid pour les hommes faits. Is for the donc, weakness man. L'amour juge selon la justice. The love judge according l'amour to the juge justice. Selon la vérité. According to the truth. L'amour ne condamne pas sans vérité. He didn't condemn without l'amour the qui condamne truth. Dans la duplicité. It is God condemned dans la, on the, dans l'hypocrisie. In hypocrisy. C'est un amour imparfait. It is an imperfect et c'est de cela le Saint dit ne jugez pas. It is why God said, Jesus afin que said, vous ne soyez jugés parce que toi so tu juges les autres. Too. Et you que tu n'as pas l'amour parfait. Et que tu ne pratiques pas la vérité. And you don't practice ton jugement true. Est inutile et charnel. Your judgment is mais l'homme spirituel qui a l'amour parfait de Dieu and the spiritual man accorde who has un jugement love of God, véritable. Give a et beaucoup aujourd'hui judgment. Pensent que l'amour n'est plus and some today think that la vérité. Love is not truth. Jésus est l'amour. Jesus is et Jean 14, verset 6 dit quoi? John 14, je suis le chemin, say, la vérité et la the way, the truth and the life. Ce qui veut dire que Jésus est le chemin, that means Jesus la vérité the way, et la vie. The truth and the life. Beaucoup pensent que something, si l'on aime, when you love, on ne doit pas dire la vérité. You should not tell the l'amour truth. Excuse tout. The love, l'amour excuse. Pardonne tout. The Lord forgiven l'amour everything. Fait tout. The love mais l'amour dit la vérité. Acclame Jésus bien aimé. L'amour c'est la vérité. L'amour c'est la vérité. The love is the truth. L'amour c'est la vérité. The love is the parce truth. Que Jésus ayant manifesté son amour Jesus n'a pas his love, caché la vérité. He didn't hide il dit truth. Je suis la vérité. He say, I'm the truth. Ce qui veut dire que l'amour de Dieu c'est la vérité. The love of God is the truth. Or quand on lit dans Ephésiens 4 verset 11 à 15 when we are reading in Ephesians books, si vous pouvez nous lire Ephésiens 4 verset 11 à 15. Ephésiens 4 verset 15. Ça nous fera beaucoup plaisir. Ephésiens 4 verset 11 à 15. Ephésiens 4 le verset 11 à 15. Je lis le nom de Jésus.
Il a donné les uns comme apôtres. So Christ himself gave the apostles. Les autres comme prophètes. The prophets. Les autres comme évangélistes. The evangelists. Les autres comme pasteurs et docteurs. The pastors and teachers. Pour le perfectionnement des saints. To equip his people. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. For work of service. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. So that the body of Christ à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. To the unity of faith. Et de la connaissance du Fils de Dieu. L'amour et l'unité. The love and the unity. C'est le lien de la connaissance. And the link of knowledge. Et le lien de la perfection. And the link of perfection. Continue. À l'état d'un fait. And become mature. À la mesure de la statue parfaite de Christ. Attaining to the one measure of the fullness of Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Then we will no longer be infants. Frottés et emportés à tout vent de doctrine. Tossed back and forth by the wave. Par la tromperie des hommes. And blown here and there by every wind of teaching. Par leur ruse dans les moyens de séduction. And by the cunning and crafting of people mais of que, deceitful shaming. Oui. Professons la vérité dans la charité. Professons la vérité dans l'amour. Speaking the truth in love. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. We will grow to become in every respect. Christ. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Professant la vérité dans la charité. Speaking the truth in love. Même dans l'amour, nous réjouissons de dire la vérité. In the love, we have to rejoice même to say dans the l'amour, truth. In the love, nous enseignons la vérité. We teach the truth. Nous enseignons la sainte doctrine. We teach the sound doctrine. Même dans l'amour, in the love, nous condamnons les fausses doctrines. We condemn the false. Dans l'amour, in love, nous réjouissons de Jésus-Christ. We rejoice in et nous Jesus. Ne cachons rien. And we don't hide pourquoi nothing. Dans le livre de 2 Corinthiens, it's when 2 Corinthians le verset 14 à 17, verse 14, l'apôtre disait, nous ne falsifions pas la vérité, Paul said, la we parole. Don't falsify the word. Nous ne falsifions pas la vérité. We don't falsify mais the truth. C'est avec vérité, but it's by sincérité, truth, sincerity, que nous vous parlons de la part de we Dieu. Are talking on, ce qui veut dire que that means the la love. Meilleure manière de manifester l'amour, the best way to manifest love, c'est la vérité. It is the truth. C'est de manifester la vérité. It de dire la vérité. The truth. De dire say la vérité. De prêcher la vérité. To preach the truth. De parler selon la vérité. To speak about parce que beaucoup truth. Pensent que l'amour c'est l'hypocrisie. Something l'amour, that love is beaucoup pensent que l'amour c'est la duplicité. Something that love non. Is duplicity. L'amour n'est pas la compromission. Love is not the compromission. Ce n'est pas parce que j'aime la personne. It is not because I love ce n'est pas the person. Parce que je pardonne la personne. Because I forgive the person. Que je vais me compromettre facilement. That I have compromised non. Myself. Je easily. Manifeste l'amour. I have to manifest love. Jésus, lorsqu'il était sur terre, Jesus, when he is il manifestait earth, l'amour. He manifest mais love. Il n'a pas accepté la compromission. But he didn't accept compromission. Il a montré que la loi, la he doctrine de Christ, the la doctrine de Jésus, the est différente de la doctrine des hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous vous attachez au commandement des hommes. Ce qui veut dire que Jésus a fait une différence entre la vérité et le mensonge. That means he has made the difference c'est pourquoi nous disons l'amour n'est pas la compromission. We said love is ce not pas compromission. Parce que nous aimons quelqu'un que nous allons accepter it les fausses doctrines. We love someone that we'll accept les fausses doctrines. Doctrine. Nous allons accepter la compromission we'll accept pour fléchir genoux devant Satan. Non. Put kneel down in l'amour front of n'est pas la complaisance. The love is not quand nous aimons quelqu'un, nous ne devons pas when we love someone, we simplement don't pour ne pas lui dire la vérité. We don't have fear to tell him nous the ne devons truth. Pas seulement manifester. We don't need only to l'apprécier tous les jours. That we love him nous devons day. Lui dire la vérité. We have to tell the truth. Lui faire des reproches we have avec to douceur. Some reproach to him. L'amour n'est pas le mélange. Love is not parce que dans 2 Corinthiens 6, verset 15, in 2 Corinthians la Bible dit accord entre Bélial et Christ. The Bible said il n'y a pas no accord avec la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi dans le verset 17, il dit in sortez du milieu d'eux afin de ne pas participer à leur péché. Participe to their sin. L'amour n'est pas seulement une tolérance vis-à-vis Bible de l'autre is not only accepting. Afin d'accepter tous les déformations des to choses. Accept all deformation of things. La tolérance dans la vérité the accepting est possible, mais la is tolérance possible. Permettant d'accueillir la compromission, permitting la to complaisance et le mélange n'est pas de Dieu. Is not from gloire à Jésus. Glory to Jesus. Et cela se trouve dans le livre de 1 Jean 1, verset 6. This is on 1 John 6. Lisez-nous ce dernier John verset 1, verse afin que nous puissions conclure notre moment d'exhortation sur l'amour. Let's read before 1 Jean 1, verset 6. 1 John 1, 1 Jean 1, le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, if we claim to have fellowship with him, et que nous marchions dans les ténèbres, and yet walk in the darkness, nous mentons. We lie.
et nous ne pratiquons pas la vérité. And do not live out the truth. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, when we say we are in communion with him, et que nous marchons dans les ténèbres, and we are walking in the darkness, nous mentons. We are lying. Ce n'est plus la vérité. We are not telling the truth. Nous ne pratiquons pas la vérité. And we don't practice truth. Ce qui montre que l'amour that showing that en tout, love en tout, c'est Jésus-Christ. In all is Jesus Christ. In Jesus Christ is perfect. C'est la vérité. Jesus Christ is the truth. La vérité, c'est la sainte doctrine. The truth. Et la sainte doctrine est l'amour. And the sound doctrine is love. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 13. It is why in 1 Corinthians 13. La Bible nous montre le fondement de la vérité. Showing the basis. La Bible nous montre le fondement de l'amour. The foundation of love. Il y a trois choses qui demeurent. We have three things who is keeping. La foi, l'amour et l'espérance. And experience. L'amour, la foi et l'espérance. The love, the faith and experience. Jésus, c'est l'amour. Jesus is the love. Jésus-Christ est le consommateur de la foi. Jesus is the one who lead the faith. And c'est experience, nous les croyants, ce que nous devons ah, faire oui, les Christians, à cause de l'amour que Jésus a what manifesté pour nous. L'amour sans Jesus la foi n'est pas amour. Love without faith is l'amour not love. Sans l'espérance n'est pas amour. Love without l'espérance not love. Sans la foi n'est pas amour. Love without faith is l'espérance sans la foi n'est pas espérance. Love, experience la foi without, sans espérance n'est pas la foi. Le faith without, et cela n'est pas l'amour. La foi love. Et l'espérance sont l'amour. The faith and the experience dans la vérité. Are love. Dans la justice. In justice. Cela montre que le fondement de la foi that the basis est la sainte doctrine. Of faith et la sainte doctrine est ce nouveau commandement. And this sound doctrine et ce nouveau commandement est la foi, l'amour, new commandment la foi is the love et l'espérance. Faith and the experience. Acclame le Seigneur Jésus.